Bonsoir et bienvenue sur TV7. Ravi de vous retrouver pour cette heure que nous allons encore passer ensemble et pour vous dire que c'est le retour d'Opinion, l'émission politique de TV7. Et ce soir, Jefferson Despaux aura deux invités. Florent Boudier, le député LREM de Gironde, et Boris Vallot, député PS des Landes, pour évoquer avec eux, bien sûr, le confinement et aussi ce dont on parle de plus en plus, le déconfinement à venir. Avant cela, il y aura de la musique, comme tous les soirs, avec Patrick Legac, et vous l'entendrez, les jeunes ont du talent. Au programme également, un commerce bordelais 100% bio et vigneronne que vous retrouvez sur la plateforme Course contre la montre. Nous verrons aussi comment les policiers vivent cette période de confinement. Vous l'entendrez, ils n'ont pas forcément moins d'intervention. Et puis nous parlerons également de phénomènes très étranges sur l'île d'Oléron. Mais avant, Jefferson Despaux, bonsoir. Bonsoir Bastien. Alors je l'ai dit dans un instant, c'est le retour donc d'Opinion, on va en reparler. Mais tout de suite, retour avec vous sur ce qui peut être l'information du jour, le fait qu'il n'y aura pas de régionalisation du déconfinement, alors que depuis quelque temps déjà, des élus demandaient à ce que ce déconfinement se fasse région par région. Ce ne sera pas le cas finalement. Exactement. Alors en Bretagne, vous vous en souvenez, c'était hier mercredi, Emmanuel Macron avait évoqué un déconfinement au cas par cas avec des mesures selon les secteurs et les régions. Justement, on pouvait donc imaginer un déconfinement régionalisé, territorialisé. Il n'en sera rien. C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit aujourd'hui aux représentants des maires de France dans une visioconférence qui a eu lieu ce matin. Le message de l'Élysée est clair, il n'y aura donc pas de déconfinement régionalisé, mais des adaptations au niveau local, et celle-ci reste à préciser. On en saura un peu plus d'ailleurs dès le début de la semaine prochaine. C'est un peu une surprise. On avait dit le monde de demain, on va faire différemment. Je vais davantage écouter les élus de terrain, notamment les régions, les maires, les départements. Finalement, Emmanuel Macron reste sourd. Alors, pas tout à fait. En fait, il faut nuancer tout ça parce qu'il y aura un cadre national, c'est ce qu'on nous a expliqué aujourd'hui, c'est ce que l'Élysée dit, il y aura un cadre national qui va présenter les grandes lignes, et dans ce cadre national, il devra y avoir de l'adaptation. En réalité, les nuances, et en tout cas toute la souplesse dont parle l'Élysée, est à rechercher du côté des acteurs locaux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une consultation qui est extrêmement large. Le chef de l'État a évoqué la question avec les maires de France, il doit s'entretenir avec les départements aussi. Le Premier ministre échange même à l'instant même où on se parle avec les régions. Tous les acteurs locaux aujourd'hui sont consultés par l'exécutif, à la fois par le chef de l'État et le Premier ministre. Et donc, il y aura cette souplesse et les acteurs locaux vont être associés, mais il n'y aura effectivement pas de déconfinement régionalisé, mais une souplesse qu'il faudra trouver dans les territoires, au plus près donc, des réalités du terrain. Donc, c'est dans cette nuance-là qu'avance aujourd'hui l'exécutif. C'est encore un peu flou, mais parce qu'ils sont encore en train de travailler. Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement, retrouvera les élus locaux vraisemblablement mardi pour leur présenter les grandes lignes de ce plan de déconfinement. Voilà, et puis dans le même temps, on le sait, on en a parlé à plusieurs reprises durant cette émission, il y a de plus en plus de commissions de travail pour préparer ce déconfinement qui sont mises en place à différents niveaux, au niveau de la préfecture, comme de la région, comme du département, comme par exemple de la mairie de Bordeaux. Et justement, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler demain avec Nicolas Florian à l'occasion de son traditionnel point presse, désormais hebdomadaire. Et puis je disais, c'est le retour d'Opinion, l'émission politique de TV7 que vous animez, Jefferson Despaux. Et malgré le confinement, eh bien, vous avez avec vous tout à l'heure deux députés. Exactement, on sera avec Florent Boudier, le député LREM de Gironde, et Boris Vallot, le député PS des Landes, qui est porte-parole du Parti Socialiste et le porte-parole aussi du groupe PS à l'Assemblée nationale. On va évoquer cette question du déconfinement qui ne sera donc pas régionalisé, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Ils vont s'expliquer sur ces deux sujets-là, on les aura par Skype, bien entendu, c'est la règle maintenant. Voilà, la liaison était plutôt bonne entre la Gironde et Paris, ça se passe comme ça maintenant, et c'est intéressant, on va aussi parler de politique, parce que vous le savez, Emmanuel Macron a promis un après qui devrait être important sur le plan politique. Est-ce qu'il y aura un gouvernement national? Est-ce qu'il s'agit d'une info, d'une intox? Est-ce qu'il s'agit d'une manipulation? Est-ce que le macronisme va se réinventer? Voilà toutes les questions que l'on va aborder au cours de ce nouveau numéro d'Opinion. Allez, à tout à l'heure, Jefferson. Merci, Bastien.
Nous allons maintenant faire le point avec les policiers. C'est vrai qu'eux aussi, depuis le début de ce confinement, ils sont en première ligne et forcément, leur mission a changé. Forcément, les situations sont très différentes entre aujourd'hui et hier. Qu'est-ce que ça change concrètement pour le travail au quotidien des policiers? Eh bien, écoutez, j'ai eu l'occasion de pouvoir poser quelques questions à Bruno Vincendon, représentant du syndicat de police Alternative Police CFDT. Bruno Vincendon, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, quelle est l'ambiance actuellement en ville, j'allais dire? Il y a encore eu quelques échauffourées en région parisienne. Est-ce qu'il y a une tension de ce genre-là que vous sentez palpable dans l'agglomération bordelaise, hein? Dans l'ensemble, en ville, le confinement est assez bien respecté. Effectivement, il y a quelques quartiers sur l'agglomération bordelaise où des tensions se font sentir. Les Aubiers, Sèges. Où il est compliqué pour mes collègues de faire respecter, un, le confinement et d'intervenir pour les opérations d'ordre public classiques. Alors, pour l'instant, quels sont l'essentiel de vos interventions? J'imagine qu'il y a un petit peu moins de délinquance classique, mais qu'il y a d'autres types d'interventions? Effectivement, il y a, du fait du confinement, nous avons un peu moins de délinquance de voie publique, style vol, violence ou agression. Par contre, on note quand même une augmentation des cambriolages de magasins ou de domiciles et pas mal de faits de voie publique commis par une population qu'on a habituellement sur Bordeaux et qui fait fi du confinement. Il y a également de plus en plus de problèmes de violence intrafamiliale. Vous sentez également monter ça? Oui, effectivement, du fait du confinement, il y a beaucoup d'appels pour des violences intrafamiliales, mais aussi des différents voisinages. Mes collègues police secours sont très, très occupés et doivent intervenir sur chaque appel. Mais quand même, globalement, j'imagine qu'il y a un petit peu moins d'activité que lors d'une période classique. Écoutez... On ne le sent pas vraiment, en fait, la baisse d'activité. On a quand même une activité assez soutenue. Moi, je pensais qu'on aurait une activité un peu moins soutenue. On a quand même une activité assez soutenue. Effectivement, il y a des missions qu'on a différées et qu'on fait moins. Mais on a tout un tas de missions dans les règles pour faire respecter le confinement, mais aussi pour l'ordre public. Et mes collègues sont très employés. Et que ce soit de jour ou de nuit, on a du travail, oui. Comment ça se passe en règle générale lorsque vous demandez aux personnes qui circulent en ville de montrer leur attestation? D'abord, est-ce que ce confinement, il vous semble, est respecté? Et comment réagissent les gens à qui vous demandez de justifier leur déplacement? En général, ils sont compréhensifs? Alors, globalement, oui. Globalement, on peut dire que le confinement est respecté sur l'agglomération bordelaise. Et au niveau des contrôles, oui, les personnes sont compréhensives pour la majorité. Nous fournissent soit une attestation papier, soit avec la nouvelle attestation numérique. Voilà, bien qu'on a des petits problèmes pour lire le flash code, mais bon. Voilà, en général, les gens sont assez compréhensifs. Et au niveau du règle du confinement, on arrive à bien faire passer le message. Oui, voilà, hein, pas trop de procès-verbaux cette occasion. Non, c'est essentiellement, il y a des procès-verbaux qui sont relevés, hein, forcément, mais c'est essentiellement pédagogique et on explique aux gens que pour notre santé à nous, pour la leur, pour la santé de tout le monde, il est bien de respecter le confinement. Et pour aider nos soignants également. Dans quelles conditions concrètement les policiers à l'heure actuelle font leur travail au niveau, j'allais dire, de tout ce qui est matériel de protection? Vous avez ce qu'il faut? On parle beaucoup des problèmes de masques, etc. dans les hôpitaux, mais vous qui êtes également sur le terrain, est-ce que vous êtes suffisamment bien équipé? Alors non, et ça on l'a dénoncé dès le début à Alternative Police. On a un vrai problème d'équipement au niveau masque et dans la police nationale. Alors les choses commencent à s'améliorer puisque des commandes ont été faites, mais on a vraiment un problème d'équipement. C'est pour ça que mon organisation syndicale, depuis le début février, a lancé un appel aux dons, que ce soit en matériel ou une cagnotte qui a été ouverte par le bureau national, afin de récupérer des masques pour pouvoir équiper et nos collègues
Et le surplus, on a également donné une opération qu'on a donnée au SAMU 33 et aux pompiers, des masques qu'on avait récupérés de donateurs privés, des entreprises qui avaient des stocks. Voilà, c'est dans cette action qu'on s'est engagé. Oui, vous, régulièrement, vous sillonnez l'ensemble du département, hein, justement, pour aller chercher tous ces produits, notamment ces masques. C'est une véritable action de solidarité. Oui, tout à fait. Je pense que notre rôle premier en tant que syndicaliste est d'apporter un soutien à nos collègues. Et effectivement, depuis le début de la crise, je sillonne le département pour les vraies entreprises à la recherche de matériel qu'ils auraient en stock, afin de les récupérer et de les distribuer ensuite à mes collègues de l'agglomération bordelaise, mais aussi quand on a eu un stock de kits de survie, kits infectieux, de maladies infectieuses, que j'ai remis au SAMU 33 l'autre soir et aux pompiers également. Jusqu'à présent. Sans oublier les EHPAD et le paramédical, pour lequel aussi on a remis des masques dans la semaine. Jusqu'à présent, vous avez eu vent de cas de fonctionnaires de police malades, atteints par le Covid ? Oui, oui, tout à fait. Oui, à Bordeaux, nous avons des cas de fonctionnaires de police testés positifs au Covid. Nous en avons une trentaine à peu près. Et nous avons un lot de collègues en maladie. Tout le monde n'est pas testé. Donc, de testés positifs, on va dire qu'on a une 30-40. Et plus encore des collègues, une centaine moins, qui sont malades en ayant les symptômes du Covid-19. Oui. Merci beaucoup Bruno Vincendon d'avoir fait un petit peu le point sur la façon dont les policiers traversent cette période très particulière de confinement. Merci. Allez, je vous le disais, il y a un mystère actuellement sur l'île d'Oléron, de l'eau dans un port qui devient rouge. Alors pour en savoir davantage, j'ai joint Pierre-Emmanuel Charpentier, c'est le directeur des éditions Sud-Ouest en Charente-Maritime, pour faire le point sur ce mystère de l'île d'Oléron. Pierre-Emmanuel Charpentier, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Alors c'est un vrai plaisir, hein, bien sûr, de vous retrouver toutes les semaines pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé en Charente-Maritime. Avec l'île d'Oléron qui a fait la une et une affaire assez étonnante, une eau devenue rouge dans le port de l'île d'Oléron, c'est ça ? Exactement, donc, plaisir partagé déjà, Bastien. Effectivement, nous avons eu une très bonne histoire avant-hier sur la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, au port de la Cotinière, qui est le plus grand port de Charente-Maritime, où l'eau est devenue rouge, mais rouge sang. Donc quelque chose de très très étonnant. Évidemment, notre correspondante locale nous a averti de ce sujet-là, qu'elle a très bien traité en appelant d'abord des pêcheurs, donc dans un premier temps, qui lui ont expliqué que ça arrivait de temps en temps, mais que c'était assez rare et que c'était dû peut-être, hein, parce que l'hypothèse n'est pas encore vérifiée, à des pontes de maquereaux que les courants auraient rapportées, vu que le temps était très très beau en ce moment, que l'eau était très plane, que les temps, que le vent aurait ramené sur la côte. Et il y a une deuxième hypothèse, pour cela on a appelé un scientifique, un biologiste de l'aquarium de La Rochelle, qui nous expliquait que ça pouvait être aussi, pour des raisons assez similaires d'ailleurs, de la prolifération de phytoplancton, du plancton, qui était lié aussi aux conditions météo très favorables. Donc en fait, les études sont encore en cours, parce que le souci, c'est que ça s'est très vite retiré, donc ils ont pas eu le temps de faire beaucoup de prélèvements, donc on le saura très vite, mais c'est une des deux raisons qui explique donc cette eau rouge sang qui, en ces périodes assez particulières, ont beaucoup interpellé sur l'île. Le mystère va-t-il être levé ? Réponse dans les jours qui viennent sur sudouest.fr, c'est ça ? Exactement. Ok, très bien. Allez, on va raconter une histoire maintenant, une histoire de plaque de guerre. Alors, ce n'est pas directement lié au confinement, quoique. Exactement, Bastien. Au départ, ça n'a rien à voir avec le confinement, mais il y a un petit lien que je vais vous expliquer. Un certain monsieur Potier, qui est passionné donc, de détection de métaux, avait trouvé, il y a 2 ans, dans une forêt près de Marennes d'Oléron, en face de l'île d'Oléron, une vieille médaille, comme on voit souvent, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il l'avait un peu laissée dans ses cartons. Et puis, avec le confinement, comme tout le monde, comme certaines personnes, il a plus de temps. Donc, il a
Il a nettoyé la plaque, il a réussi à trouver l'identité donc de la personne. Il a fait un appel sur Facebook, il a envoyé des signaux sur les réseaux sociaux et, incroyable, il a eu une réponse donc du neveu de ce cher disparu, hein, qui est mort dans les années 60, hein, et donc dont le neveu est encore vivant. Donc c'est une très belle histoire parce qu'il avait perdu cette médaille pendant une battue en forêt, et donc après le confinement, peut-être qu'à partir du 11 mai, son héritier va pouvoir récupérer cette plaque. Oui, donc c'est plein de mystères, dites, dans la Charente-Maritime, il y a plein de belles histoires. Et puis il y a aussi le rôle, et ça c'est important parce que c'est notre mission à nous, médias au sens large, que ce soit Internet, papier ou télé, c'est vous aider toutes et tous en ces moments très difficiles avec les informations services qui en ces temps de confinement sont précieux, bien évidemment. Alors ces informations, vous les donnez également du côté de la Charente-Maritime. Exactement, on est tous pareils. En ce moment, on a un rôle encore plus important que d'habitude sur l'infoservice. Je peux vous donner trois exemples des jours écoulés. On a l'ouverture notamment des déchetteries qui a commencé lundi, comme dans de nombreux départements. Et c'est long à mettre en place, c'est compliqué. Il y a des règles évidemment très précises, comme un peu au début dans les supermarchés. Donc il faut qu'on informe les gens très précisément sur des horaires qui ont évolué, sur un nombre de déchetteries qui est limité, hein, dans l'agglomération rochelaise, on en a un certain nombre, plus d'une dizaine, hein, largement, et là en l'occurrence il n'en a que trois d'ouvertes. Il faut bien expliquer aux gens qu'il n'y a que celle-ci, qu'elle traite plus ou moins une certaine partie des déchets mais pas l'intégralité. Enfin, il y a plein de choses effectivement, il faut être très rigoureux dans l'information qu'on donne aux gens pour que ça se passe bien aussi sur le terrain, parce que tout le monde s'ennuyant un peu, la déchetterie, c'est un peu une sortie, même si c'est considéré nécessaire, évidemment, hein, considéré comme une sortie. Donc, il pourrait y avoir effectivement beaucoup de monde sur le bitume, on va dire. Le deuxième exemple, c'est les jardineries. Il y en a beaucoup qui ont rouvert. Les lecteurs nous interpellent beaucoup, à savoir, faut-il y aller uniquement quand il y a un système de drive d'installer, a-t-on le droit d'y aller en magasin? Donc évidemment, tout est au cas par cas. Il y a certaines jardineries en Charente-Maritime où on peut aller physiquement, même dans le magasin, à condition d'attendre aussi, hein. Il y a des longues files d'attente, il y a des flux à respecter qui sont très très bien organisés dans les magasins. Il faut aussi savoir que dans ces jardineries, la condition pour y être acceptée, sinon, moi je l'ai vécu à titre perso, on est refusé à la caisse, hein, c'est de prendre des produits de première nécessité, à savoir des plants ou des semis pour pouvoir manger, hein, ou manger en tout cas à terme. On ne peut pas y aller juste pour acheter un pot de fleurs. Donc ça, c'est aussi des informations c'est notre rôle de les publier, de les rabâcher, hein, parce que c'est important. Et puis après, la troisième chose un peu ludique aussi, c'est mais un peu différente, c'est tous ces musées ou structures culturelles qui s'organisent de plus en plus précisément pour organiser des visites de leur établissement culturel de manière virtuelle. Donc on peut découvrir des tableaux, des sculptures. C'est très nouveau et c'est aussi une accélération des changements qui se mettent en place un peu partout, et c'est plutôt intelligent. Et là, c'est aussi à nous de nous faire le relais de ces structures culturelles. Voilà, bien écoutez, c'est avec plaisir d'ailleurs que nous relayons toutes ces informations régulièrement sur TV7 avec, si j'ai bien compris, Pierre-Emmanuel, le fait que vous ayez été empêché d'acheter un pot de fleurs. Et ça, il faut que ça cesse. C'est pas possible. C'était devant moi, j'étais très très sérieux. Très bien. C'était devant moi une dame que je ne citerai pas, et effectivement, a été renvoyée dans les rayons pour s'acheter au moins un plant de tomate. Voilà, donc très bien. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Et puis, j'ai envie qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça vous va? Avec grand plaisir, Bastien. Sans doute à la fin de semaine prochaine. Allez, bonne semaine et bon confinement. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.
Nous allons maintenant vous parler des Furies Douces. Les Furies Douces, c'est un commerce qui s'est ouvert il y a quelque temps à Bordeaux, du côté des Chartrons, spécialisés dans le vin bio et de vigneronne. Seulement, voilà, c'est un commerce qui, comme de nombreux autres, doit rester fermé pour cause de confinement. Et c'est là qu'intervient la plateforme mise en place par Sud-Ouest, coursecontrelamontre.fr. Et vous allez le voir, cette plateforme est un vrai soutien pour les commerçants qui en font partie, avec parfois des effets assez inattendus. Écoutez. Je pense que je ne suis pas la seule. Tout n'est pas forcément encore bien mis en place au niveau des banques, des aides, etc. Donc voilà. Et puis, il faut prévoir un petit peu aussi la reprise. Il y aura des achats de stocks à faire au moment où on reprendra, donc c'est important d'avoir de la trésorerie à ce moment-là. Les premières 24 heures, il y a eu beaucoup d'achats, de bons d'achat réalisés par mes clients habituels, mais aussi par des personnes qui voulaient venir, qui avaient entendu parler des Furies Douces, qui s'étaient dit qu'ils allaient venir, puis bon, le virus a été plus rapide qu'eux, et qui se sont dit, bon ben voilà, on n'est pas encore venus, mais on a envie de vous soutenir, et puis comme ça... Ça nous donnera l'occasion de prévoir cette soirée à la reprise. C'est toute la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, bah, je vous disais, en fait, on a fait... Moi, je l'ai posté, effectivement, une petite vidéo pour parler de course contre la montre sur Instagram, sur Facebook. Et j'ai de la clientèle qui vient de Paris ou de Lyon. Et du coup, qui ont découvert aussi... course contre la montre et qui était enchantée de pouvoir donner un petit coup de pouce à distance. Voilà donc les Furies Douces que vous pouvez retrouver sur la plateforme mise en place par Sud-Ouest. On va voir l'adresse, c'est très simple. Coursecontrelamontre.fr en un seul mot. Si vous voulez y participer en tant que commerçant ou si vous voulez y participer en tant que consommateur, vous l'avez compris, il s'agit d'aider les uns et les autres, notamment avec des bons d'achat ou des précommandes, eh bien, rendez-vous sur ce site coursecontrelamontre.fr. FR, un vrai plus pour les commerçants. Et demain, nous aurons l'occasion de découvrir encore un commerce qui fait partie de cette plateforme. Il est là, il nous attend, il est prêt, il est chaud comme la braise. Patrick Le Guec. Je sais pas pourquoi. La braise. Mais je sais pas. C'est les Furies Douces. On va rester dans les Furies Douces, hein, parce que c'est plein de douceur, le rendez-vous de Ça se confine en live ce soir. Mais sinon, si je veux acheter des pots de fleurs, je fais comment alors ? Ah oui, ben, enfin, voilà, vous avez compris, il y a un vrai problème de pots de fleurs. Je ne sais pas si on va remettre le couvert sur les figolus, mais en tout cas, on peut parler des pots de fleurs parce que là aussi, il y a un vrai sujet. Là aussi, il y a un vrai sujet. Effectivement, Bastien, un peu de douceur dans ce monde perturbé, ça va nous faire du bien de nous poser, de fermer les yeux. Et puisqu'on ne peut pas voyager, vous le savez, on va s'évader un peu virtuellement. Et c'est Alice, 16 ans, qui s'y colle aujourd'hui. Alice est une élève de la Rock School Médoc. Elle est souvent accompagnée d'une amie à la guitare. Elle joue de la pop américaine, de la variété française. Un joli petit univers rempli d'émotions. Et là, forcément, confinée chez elle, c'est un piano-voix qu'elle nous propose une reprise de Louane. Je vous propose donc de découvrir l'univers d'Alice, si t'étais là, dans Ça se confine en live sur TV7. Je
Voilà, cover de Si t'étais là de Louane par la jolie Alice, qui est donc une élève de la Rock School Médoc, cher Bastien. Alice, si t'étais là, je ne sais plus, je t'ai tutoyé ou vous toyez, je ne sais plus. Je pense bien qu'aujourd'hui tu as bon, cher Bastien, tu m'as tutoyé. C'est je vrai. Pense, hein. Bon, parce que là, je suis un peu perdu, moi. Il y a des fois où il y a des choses qui perturbent comme ça. Et du coup, on a pensé à prendre des vacances un peu plus tard, Bastien. On va continuer à se tutoyer. Alors, depuis le début et de ce lancement de cette excellente idée, Sidi et Patrick Legac, de vous faire participer comme ça à votre façon, à vous qui êtes musicien, de faire preuve de solidarité et nous aider à mieux supporter cette période de confinement en nous envoyant vos compos, vos vidéos, vos covers. Voilà, on commence à avoir un beau catalogue et ça serait dommage de s'en priver, n'est-ce pas? Ça serait dommage de s'en priver, surtout que tous les titres que vous nous envoyez, nous les diffusons bien évidemment dans Ça se confine en live, mais grâce aux excellents soins de notre non moins excellent Vincent Raymond, qui est notre réalisateur, ces titres-là sont diffusés tout au long de la journée, donc vous allez pouvoir vous retrouver comme ça, peut-être le matin, peut-être l'après-midi, peut-être la nuit, sur TV7 avec ces titres live confinés. Puis j'aimerais également en profiter, puisque vous avez un peu de temps, pour vous proposer de découvrir ou redécouvrir les sapeurs en live non confinés de l'année, je pense entre autres au duo Samanify, que j'avais rencontré en début de saison, au groupe de rock bordelais Ivard, à la jeune et bourrée d'humour Chloé Védi, ou encore aux 2-13 minutes que j'ai consacrées chez nos amis de Music Audio Shop à Mérignac, au power trio bordelais que, Bastien, je sais, tu vénères, il s'agit des Dacha Mandal. Les Dacha, ils commencent à faire beaucoup, beaucoup parler d'eux au niveau national, hein, Dacha Mandal. Hein. C'est vraiment un groupe, le groupe qui monte. Hein. Et je connais un papa qui doit être ravi de les voir ainsi grimper au fur et à mesure dans les charts. On ne dit plus les charts d'ailleurs, c'est complètement terminé. Les charts, avec leur nouveau 45 tours. Ouais. Ah oui, avec leur nouveau Maxi 45 tours. Maxi 45 tours. Bon, en tout cas, vous découvrez tout ça sur tv7.com, bien sûr. Bon, un coup d'œil ou un coup d'oreille sur ce qui nous attend demain, Demain vendredi, cher Bastien, tu vas groover comme un petit foufou avec Rix. Rix, c'est un artiste multi-instrumentiste, guitare, basse, clavier, et son truc à lui, c'est le funk. Ah oui, on passe de Louane au funk. Au fond, ah ben voilà. Ouais. C'est pour ça que j'adore. J'adore. Vous savez, il me tarde, comme tout le monde, que cette période de confinement cesse. On verra de quelle façon. Sauf pour une chose. Sauf pour une chose. Parce que si on est déconfiné, on ne pourra plus passer des Ça se confine en live. Si on fait des Ça se déconfine en live, pourquoi pas ? Bah, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben voilà. Donc on va... Bon, on trouvera une autre solution. Allez, on va continuer à parler. On va se débrouiller, t'inquiète pas, Bastien. Allez, ça va phosphorer. À demain, monsieur Tu. À demain. Allez, je vous retrouve demain, bien évidemment, pour de nouvelles aventures et pour passer encore une fois cette heure ensemble. Et comme je vous le disais aussi, c'est le retour d'Opinion avec Jefferson Desport et ses invités. Place à la politique avec deux députés tout de suite. Bonne soirée.